Tout aurait dû être plus simple, mais ça a dérapé. Toute histoire a un début et une fin. Celle-ci ne commence pas par « il était une fois » et ne se termine pas par « ils furent heureux jusqu'à la fin des temps ». Non, cette histoire est bien plus sombre. Mais commençons par vous présenter ces cinq hommes que vous voyez là jouant joyeusement aux cartes. Cet homme, à la chemisette blanche, c'est David Cloridan, l'ancien maire de la commune, figure locale très appréciée de la communauté. Maintenant, je vous remercie, je vous invite à aller prendre un pot à la mairie où on va fêter ça tous ensemble. Merci beaucoup. Celui qui se tient à sa droite avec sa petite moustache soignée, c'est Charles Lapointe, cadre de la SFF, Société Ferrée de France, à la retraite. Hé, hey, oh ! Qu'est-ce que vous faites là ? Lui faisant face, c'est Thierry Marceau. Ce bon vivant a été durant de nombreuses années le président local de la Fédération de chasse. Le chevreuil, la dernière fois sur la route, j'en vois un. Sors de la forêt au dernier moment, je tape dedans, je mets dans le coffre, je le ramène. Avec un C15. Même pas besoin de balle. À sa gauche, c'est Marc Lanois, sûrement le plus gros propriétaire terrien de la région. Il a cédé son exploitation à son fils lorsque le temps s'est fait sentir. Enfin, celui qui semble tirer à quatre épingles, c'est moi, René Dubé. J'ai officié durant de nombreuses années comme notaire à Langres. À nous voir comme ça, nous ressemblons à tous les autres retraités. Mais chaque médaille a son revers. Une coupe franche à cœur, c'est pas possible une chance pareille. C'est pas de la chance, c'est du talent. Oh, un de ces jours, ta chance tournera. Et je suis là pour voir ça. En attendant, ça fait 10 points de plus. Avec ton roi de cœur et le 21. Bon, arrêtez de vous plaindre, hein. La partie est pas finie. Vous pouvez encore vous refaire. Je ne me plains pas. Je dis que c'est pas normal qu'il gagne à chaque fois. De toute façon, tu es en équipe avec David. Forcément, ça t'arrange. C'est bon, les gars. Arrêtez de vous prendre la tête. Laissez-le jubiler un peu. J'ai de quoi encore à lui faire perdre son sourire. D'accord. Alors, messieurs, on sommeille encore. C'est pas bon pour votre tension, tout ça? Bonjour, Jérôme. T'as l'air en forme aujourd'hui. Eh oui, j'ai eu la visite de mes petits-enfants. Oh, ça fait toujours chaud au cœur. Et ma petite Léa, elle a tellement grandi. Oh, c'est incroyable. Que dites-vous de mon nouveau chauffeur? J'en ferai bien mon goûter, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez que mon cœur est déjà pris. Sinon, comment résister à une femme telle que vous? Oh, flatteur, va. Bon, je vous laisse, les amis. Je vais profiter des quelques rayons de soleil qui restent pour faire un tour. Allez. Bonjour, amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous le connaissez, l'infirmière? Moi, perso, c'est les petites jeunettes que je reluque. Moi, c'est la première fois que je vois traîner par ici. Et c'est encore pour moi. C'est pas humain, une chance pareille. Mm-hmm.
Je suis désolé, monsieur Dubé, mais comme on s'y attendait, les résultats sont mauvais. Très mauvais. Alors bien sûr, il existe des traitements palliatifs, hein. Nous n'avons pas testé toutes les solutions. Non, docteur, j'en ai marre de ces traitements. Dites-moi seulement combien de temps il me reste. Des mois? Des semaines? Eh bien, si vous ne faites rien, tout au plus quelques semaines. Donnez-moi juste de quoi supporter la douleur. Je veux partir en paix avec ma conscience. Mmh. Eh bien, écoutez, je ne vous forcerai pas. On fera au mieux pour que ça se passe comme vous le souhaitez. Le crâne m'aura finalement eu. Bonjour, monsieur Dubé. C'est l'heure des soins. Monsieur Dubé? Monsieur Dubé? Allô, Martine? Oui, c'est Sylvie. Oui. Peux-tu m'appeler le docteur Morse, chambre 126, s'il te plaît? Chambre 126? De grand matin. Un code bleu, je suppose. Oui, un code bleu, oui. La 126, c'est qui? C'est monsieur Dubé. Oh, un sympathique monsieur. Bon, il était déjà pas mal malade. Oui, 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 mais c'était un chic type, hein. Je vais biper le docteur Morse. Il ne devrait pas tarder. D'accord. Bon, écoute, moi je vais prévenir la directrice, hein. Elle fera certainement une annonce au déjeuner. Allez, salut Martine. Oui, entrez. Ah, monsieur Lannoy, nous n'attendions plus que vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes plus sincères condoléances. Je sais que vous étiez tous très proches de monsieur Dubé. Il est vrai que c'était un pensionnaire agréable. Une messe sera donnée en son honneur ce dimanche à la chapelle. Merci, madame Dupuis. Notre cher René va nous manquer, mais je pense parler en notre nom à tous pour dire que nous ne sommes pas vraiment étonnés. Sa santé était plutôt fragile depuis quelque temps. C'est vrai, oui, mais c'est toujours un triste jour pour nous lorsqu'un pensionnaire nous quitte. Si vous le souhaitez, le psychologue est à votre disposition. N'hésitez pas à le solliciter. Ceci étant dit, je ne vous ai pas fait venir que pour ça. Monsieur Dubé a laissé des lettres et elles vous sont adressées. C'est l'infirmière qui les a trouvées près de son... Enfin, près de monsieur Dubé. Les voilà. Voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps. Oui, allô? Oui, merci, passez-le moi. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Oui, allô, monsieur Dufresne? Oui, bonjour, c'est madame Dupuis à l'appareil.
Voyons voir ce que ce vieux René a à nous dire. Alors, René, quelle farce tu nous as encore fait cette fois-ci? Mes chers amis, si vous lisez ces quelques mots, c'est que mon tour est venu, ou que vous avez fouillé dans mes affaires. Je ne vise personne, mais suivez mon regard. Dans le premier cas, je ne peux pas y faire grand-chose. Dans le second, on risque de se fâcher. Dans tous les cas, ça ne fera plaisir à personne. Mes amis, je suis là, là de faire semblant, là de ce qu'il s'est passé ce jour-là. Nous avons promis de ne plus en parler, j'ai tenu parole jusqu'à mon dernier souffle. Mais c'est un secret que je ne peux emporter dans la tombe. Mes amis, j'ai envoyé une lettre à Mathias, au petit Mathias, enfin sans doute plus si petit maintenant. Il fallait que je le fasse. Je sais qu'en lisant ces lignes, vous devez me prendre pour un idiot, un traître peut-être. Mais il n'en est rien. Vous finirez par le comprendre. Je pars donc le cœur lourd. Je sais qu'on se reverra dans une autre vie. Peut-être pourrez-vous me pardonner, même si le pardon, c'est à Mathias de nous le donner. Adieu, mes amis. Faites la paix avec vous-même. Merde ! Qu'as-tu fait, René ? Alors celle-là, je ne m'y attendais pas. Allô ? David ? Oui, c'est moi. Tu as lu la lettre de René ? Je viens de la finir. Je sens tendu. Tu devrais te calmer. Quoi, me calmer ? Mais je ne peux pas me calmer ! Écoute, on fera exactement ce qu'on a toujours fait. Le tout est de rester soudé et de ne pas s'inquiéter. Je ne sais pas si j'y arriverai. Bien sûr que si, tu vas y arriver. On en a tous besoin. Nous ne savons même pas si la lettre va lui être remise. Et si elle arrive, on fera quoi ? Eh bien, on avisera en temps et en heure. C'est pas le moment de paniquer. Tu comptes faire quoi ? Je ne sais pas. Tu ne m'as pas bien compris, on dirait. Le plus important, c'est... Mais c'est toi qui ne me comprends pas. Et puis, ça m'énerve. Fais quoi ? Voilà. Va prendre... David, tu as lu la lettre de René ? Mais oui, j'ai lu la lettre. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut garder son calme. Ça ne change rien. Ça ne change rien ? Mais si ça change quelque chose, ça change tout au contraire ! Tu gardes ton calme. Non, je ne me calmerai pas. Putain, on est dans la merde ! Je savais que ça finirait mal, je vous l'avais dit ! Il a l'air en pétard, David. Oui, c'est la mort de René. On est tous sous le choc. Mais il va se calmer. Pauvre René. Il était si gentil. Vous allez devoir trouver un nouveau compagnon de jeu pour le tarot. On se mettra à la belote. Oui, c'est une idée. Hé, hey, Marie, Sabine, comment ça va aujourd'hui ? On se voit plus tard. C'est ça, à plus tard. Tu
Je savais que je te trouverais là. Tu veux qu'on en parle? Il n'y a rien à en dire. On est foutus, c'est tout. Pourquoi foutus? C'est une affaire vieille de 30 ans. Il y a prescription. Et puis, ça reste la parole de René face à la nôtre. Pour autant, ça la fout mal. Et puis, ça aura des conséquences. Mais il y a un prix à payer. On a fait le choix il y a 30 ans. C'est pas le moment de craquer. Tu crois qu'on va pouvoir continuer notre petite vie peinard? Mais tu vis dans quel monde, Marc? Ce n'est qu'une question de perspective. Une histoire de conséquences-bénéfices. Et je vois pas pourquoi on s'inquiéterait. Hein? Chaque problème a sa solution. Et si la solution, c'était de tout déballer? Après tout, le vieux René était peut-être dans le vrai. Oui, oui, peut-être, justement. Ou bien alors, il n'y a rien à changer. Hein. Moi, je suis sceptique sur la suite des événements. Je savais que ça pouvait arriver. Mais de là à penser que l'un d'entre nous allait tout déballer... C'est vrai. Au risque de connaître des jours sombres. Mais une fois la vague passée, tout redeviendra normal. Ça, je peux te le promettre. Donc il faut que je te fasse confiance. Ah, as-tu vraiment le choix? On a toujours le choix. En effet. Eh bien, pense-y, hein, et puis on en rediscutera. À plus tard. Bon du soir, monsieur Floridan. Merci. Salut David, ça va mieux? Ouais, j'ai remis. T'inquiète, ça va passer. L'important, c'est de rester soudé. Mais qu'est-ce qui lui a pris au vieux René? Pourquoi il n'a pas fait ce qu'on avait décidé? Ce qui est fait est fait. On peut pas revenir en arrière. Tu as des nouvelles du fils Goudreau? Qu'est-il devenu? Aux dernières nouvelles, il a quitté la région avec sa mère. À peu près un an après l'accident. Et depuis, deux vagues nouvelles. Deux ou trois coups de fil de Fanny, et puis ça s'est tassé. Mais comment lui en vouloir, après tout? Mais comment le vieux René a-t-il fait pour lui envoyer une lettre? Alors qu'on ne sait même pas où il habite maintenant. Il a gardé pas mal de contacts avec son boulot de notaire. Hein. Il en avait même pas mal. Hein. Et quand on sait graisser la pâte, eh ben c'est plus simple. Oui, c'était plus simple avant. Regarde-nous, on est dans le flou. On est des vieux coulants. Et des vieux coulants qui risquent gros en plus. Si on vient me poser des questions, je ne sais pas si j'arrive à m'en sortir. Allez, calme-toi, David. Tiens, allez, prends tes médocs. On en reparlera demain. Oui, c'est ça. À la tienne, mon vieux René. Bonjour! Il fait pas terrible aujourd'hui. Oui, il va sans doute pleuvoir. Je le sens, hein, mes vieux os. Quelqu'un a vu David ce matin? Il avait quand même l'air bien retourné avec toute cette histoire. Ben, pas depuis hier soir, hein. On a bien discuté avant qu'il ne se couche. Oh, il va pas tarder à arriver, hein, à mon avis. Ouais, ben, qu'il se dépêche, hein, parce qu'il n'y aura bientôt plus rien à manger au buffet. Bonjour à tous. Votre attention, s'il vous plaît. Très cher résident, j'ai pour la seconde fois en deux jours la triste tâche de vous annoncer le décès d'un de nos amis. Monsieur Cloridan s'est éteint cette nuit dans son sommeil.
Je présente mes plus sincères condoléances à ceux qui lui étaient proches. Et pour ceux qui en ressentent le besoin, le docteur Leprince pourra vous recevoir pour une consultation. Merci de votre attention et je vous souhaite néanmoins une agréable journée. Merci. Merde ! David ? René, je peux comprendre. Il était quand même malade depuis un moment. Mais David, c'est pas une coïncidence, hein. Tu penses que ça ne serait pas une mort naturelle ? J'en sais rien, mais je vais tout faire pour le découvrir. Puis, docteur Morse en saura plus. Je pensais qu'il nous enterrerait tous. Tiens, ça m'a coupé l'appétit, ça. Finalement, tu avais raison. Sa chance a tourné. Ne me regardez pas comme ça. J'y suis pour rien, moi. Et comme je vous l'ai dit, je ne pourrai malheureusement pas m'étendre sur le sujet. Madame Dupuis vous l'a dit, votre ami est mort pendant son sommeil. Des analyses sanguines sont en cours, mais je n'aurai les résultats que ce soir, au mieux. Et il n'y a rien qui vous a semblé étrange ? C'était quand même un sacré gaillard, non ? Vous savez, nous sommes tous égaux face à la mort. Riche ou pauvre, faible ou fort, quand notre tour est venu, eh ben c'est ainsi. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous fait penser que sa mort pourrait être suspecte ? Eh bien, c'est juste que nous perdons deux de nos compagnons, et coup sur coup. Oui, oui. Messieurs, je comprends votre peine. Vous venez de perdre deux êtres qui vous étaient chers. Malheureusement, ici, ce sont des choses qui arrivent. Monsieur Cloridon avait des problèmes cardiaques. Ce n'était un secret pour personne. Son cœur aura probablement lâché pendant la nuit. Une belle mort, si vous voulez mon avis. En effet, ça arrive. Merci d'avoir pris le fait de votre temps pour nous recevoir. Bonne journée. Docteur. Merci, docteur. Bonne journée. Je suis sûr qu'il nous cache quelque chose. J'ai une pipe pour ça. Tu crois ? Mais que veux-tu qu'il nous cache ? T'as pas remarqué son regard fuyant quand je lui ai posé des questions ? Je suis sûr qu'il protège quelqu'un. Tu te fais des idées ? Qui veux-tu qu'il protège ? Moi, je ne sais pas, moi. La négligence d'un infirmier ? Une erreur d'analyse ? Ça n'arrive pas que dans les films, ça. Et pourquoi pas la vengeance de Mathias Goudreau pendant que t'y es ? Mais t'es malade, quoi ! Y a personne. Ils sont dehors ou alors ils sont en bas. On avait dit qu'on n'en parlait plus. Et puis, après tout, ça pourrait être lui. Il pourrait venir se venger. Calme-toi ! Tu faisais ça pour blaguer. Personne ne cherche à nous tuer tant que chacun tiendra sa langue. C'est la parole d'un mourant face à la nôtre. Mais je le sais bien, ça. Et puis, ça me... Je n'irai pas bader. Ça ne me rapporterait pas. Arrête-t-il ! C'est vous qui faites tout ce barouf dans les couloirs ? Au charal, c'est tout. Et tu nous connais. Oui, eh bien, si vous vous abîmez, vous allez entendre parler du pays. Parce qu'avec les décès de René et David, les infirmiers sont sur les... Au fait, je vous ai entendu parler de Goudreau. Triste quand même ce qui lui est arrivé. Enfin, je ne vous apprends rien, bien sûr. Vous saviez qu'on avait failli sortir ensemble quand on était comme ici ? Oh, un beau merde à cette époque. Mais bon, moi, dans ce temps-là, je n'avais Dieu que pour la danse. Je vous ai parlé de mes années à Paris. De nombreuses fois, en effet. Ah,
Ah ben c'est ça, hein, quand on est vieille comme moi, on radote. Allez, je vous laisse. Soyez sage. Comme je te le dis, tu parles trop fort. On ne risque rien. La moitié cinglée et l'autre moitié du temps, elle ne se rappelle plus de rien. Allez, ne commençons pas à délirer. Hein? Calmons-nous. Allez, venez. Allons dans un endroit plus calme. Hein? Il faut qu'on cause. À quatre, on pouvait encore faire une belote, mais à trois... Vite. Oh, bonne nuit, les filles. Et plus que temps que j'aille me coucher. Déjà? Eh bien, au mine, bon, ben, écoute, bonne nuit. Oui. Hein. À demain. À demain. Allez, je faites vos rêves. Ça va aller, vos gosses. Je prends le relais. Je connais le chemin. À demain. Y a quelqu'un? S'il vous plaît, quelqu'un peut rallumer la lumière? Jamais personne quand on en a besoin. Jéromine a vécu une vie intense auprès des siens. Elle a toujours été une mère de famille attentive, travailleuse pour Jéromine et soucieuse de l'équilibre familial. René nous relance une affaire vieille de 30 ans. René, et en deux jours, deux autres personnes également meurent. Un chrétien fervent. Tout comme David. Et trois personnes, surtout, en rapport avec nous qui, vous savez. Attristés par ces départs plus que brutaux. C'est vrai, des accidents, ça peut arriver. Je ne dis mais pas nous le contraire. Mais garder un souvenir d'eux est tombé dans les escaliers. Puisse le Seigneur les accueillir en sa noble demeure. Je vais vous faire lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Salonique. Vous allez voir, on va finir par devenir tous suspects. Je veux que vous connaissiez la vérité. Qu'est-ce que tu insinues? Au sujet de vos morts. Je te préviens, je ne crois pas aux fantômes. Et pourquoi j'ai remis d'abord? Comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Les fantômes. En effet, puisque nous savons que Jésus est mort, et qu'ensuite il est ressuscité. Croyons de même que ceux qui se sont endormis dans l'amour de Jésus, certainement Dieu pas les conduira près de son fils. Si on me cherche des poux dans la tête, je saurais me défendre. Merde, qu'est-ce que tu vois avec ça? T'es malade? Quand le Seigneur reviendra sur terre, si je suis malade, les vivants, j'ai un bon traitement. Les survivants. Ne devront pas ceux qui seront morts. Dans un premier temps, je vais prendre des renseignements sur.
sur Mathias. Et après, on avisera. Et puis, range-moi ça, pour nous faire remarquer. Allô, fiston? Bonjour, papa, comment va? Toujours là, Cyrmini-Vuronné? Oui, oui. On vient juste de sortir de la chapelle. On a perdu David cette semaine. L'enterrement, c'est la semaine prochaine. Ah, je suis désolé. Je sais que c'était un de tes meilleurs amis. Donc je passe te voir avec les enfants? Oui, mais ça ne presse pas, hein. Ça va, hein. Je suis très bien entouré. Hein. Dis-moi, tu voudrais pas me rendre un service? Dis toujours. Mathias Goudreau, le fils de Jean. Tu te rappelles? Goudreau? Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Il a à peu près ton âge. Il venait à la maison quand t'étais gosse. Tu sais pas ce qu'il est devenu? Bah, ça remonte à loin. Hein. Franchement, j'ai pas gardé de contact. Pas dans la même classe. Enfin, ceci dit, je peux toujours me renseigner, il y a sans doute quelqu'un qui sort au village. Bon, ben d'accord, d'accord. Oui, oui, bon, c'est bien, Mathieu. Je t'aime, Mathieu. Moi aussi, papa. Allez, à plus. On se rejoindra chez moi ce soir? Je paye l'apéro. C'est l'anniversaire de mon fils. 5 ans déjà, hein. Je refuse jamais une invitation, surtout si c'est pour l'apéro, tu peux compter sur moi. On se demande bien ce que tu peux refuser de toute façon, toi. Sûrement pas ta femme, en tout cas. Pauvre con. C'est sûr que les femmes ne risquent pas de résister à Thierry, le sac à vin. Parce qu'elles aiment bien boire au goulot directement. C'est quand même une sacrée belle bande de cons quand vous y mettez. Et toi, Jean? Tu viens ce soir avec ta femme et ton gosse? Je sais pas. Mais allez, viens, on va se marrer. En plus, c'est lui qui casque pour une fois. Viens, ça change. Dis voir, Jean. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as tiré la gueule toute la matinée. Je fais pas la gueule, René. Cette affaire de voie TGV, là, ça me tracasse. Ils veulent passer par mes terres, c'est con. Et en quoi c'est une mauvaise chose? Passe en plein milieu de mon exploitation. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur putain de train? Tu devrais écouter les autres. Il y a un max de blé à se faire avec cette histoire. Leur train, ils ont besoin de le faire passer par là. Faire un détour leur coûterait mais bien plus cher. Du coup, tu peux même faire monter les enchères. Vous êtes bien drôles, vous. Et après, tu laisses quoi, mon gamin? Tu leur en feras un train électrique. Ils aiment bien les trains électriques, les gosses. C'est que t'es con, toi. Bon, je passerai avec Fanny et Mathias. Vers 6h30, ça te va? Impec, on fait comme ça. On continue. On va rigoler. Oui, Sylvie, qu'est-ce qui vous arrive? Excusez-moi de vous déranger, mais j'aurais un petit service à vous demander. Oui, bah faites vite, on m'attend. Alors, vous savez que je suis toujours célibataire. Oui. Bon, voilà. J'ai remarqué le brigadier là qui fait l'enquête, vous savez, au sujet des morts. Oui. J'aimerais bien savoir s'il est célibataire aussi, parce que, voilà, puis son nom éventuellement. Sylvie, je sais que le célibat vous pèse, mais je vous préviens, je ne veux pas vos histoires personnelles pendant vos heures de boulot. Voilà, c'est l'occasion quoi qui fait que... Voilà. Hein?
Allez, je vous apprécie, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et puis, je vais me renseigner à son sujet. Bah, ça, c'est gentil. Allez vite retrouver vos collègues. Merci, Madame Dupuis, merci. Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi calme. C'est pas une coïncidence. Moi, je vous le dis, il se passe des trucs pas nets. Tiens, prends ça. Ça va te calmer. Fais gaffe, ça vient par ici. Bonjour, messieurs. Encore toutes mes condoléances pour vos amis. C'est la première fois que nous perdons 3 de nos pensionnaires aussi rapidement. Je commence à croire que vous avez raison et qu'il se passe quelque chose derrière tout ça. Vous avez trouvé quelque chose d'étrange dans la mort de David ? Écoutez, je ne devrais pas vous dire ça, mais après votre passage, j'ai passé quelques coups de fil. Et effectivement, il y a quelques incohérences dans la prise de sang. Et vous sous-entendez qu'on aurait pu l'empoisonner ? Non, je ne dis rien de tel. Mais j'ai juste commandé quelques analyses complémentaires avant son inhumation. Je devrais avoir les résultats d'ici ce soir. Si vous pouviez nous tenir au courant, David était notre ami. Vous pensez qu'on devrait s'inquiéter, docteur ? Tranquillisez-vous. À mon avis, c'est juste une erreur dans les premiers résultats. Ce sera vite corrigé. Vous savez, ça arrive souvent, une erreur de virgule par-ci, par-là. Bon, je vous laisse, j'ai encore du travail. Passez une bonne journée et surtout, n'arrosez pas trop le café. T'es mal à toute la nuit. Une horreur. J'avais l'impression d'être encore au boulot. Mais ça ne change pas. Non. On est que des grands enfants toute la journée. Je te le fais pas dire. Tiens. Le docteur est déjà arrivé. Bah, ça lui ressemble pas. Bah, non, en général, il arrive jamais avant. Mais le contact n'est pas coupé. Vite, appelle le secours. Docteur Morse. Donc vous êtes arrivé à 7h avec votre collègue. Vous avez découvert le véhicule, moteur tournant. Monsieur Morse à l'intérieur et un tuyau reliant l'échappement à la fenêtre arrière gauche. Je n'ai rien oublié ? Non, je ne pense pas.
Avez-vous touché quelque chose d'autre à part le contact et le docteur? C'est très important que nous puissions dissocier les empreintes. Non. Nous avons essayé de le ranimer, mais... Mais c'était déjà trop tard, il était... Vous avez fait tout votre possible. Monsieur Morse a-t-il des ennemis à votre connaissance? Grand Dieu, non. Monsieur Morse, c'était la gentillesse incarnée. Jamais un mot plus haut que l'autre. Vous savez, ici, nous essayons de faire en sorte que nos pensionnaires passent leurs derniers moments dans les meilleures conditions. C'est un métier difficile. Avait-il manifesté des signes qui puissent laisser supposer qu'il mettrait fin à ses jours? Non. Enfin, je ne le connaissais qu'à travers le travail. Mais de là... Je ne sais pas ce qui se passait à la maison, mais de là, en finir de la sorte. Très bien. Merci de votre collaboration. Si nous avons d'autres questions, nous reviendrons vers vous. Oui, vous pouvez aussi interroger la directrice de la pension. Elle devrait pas tarder. Nous lui avons laissé un message. Merci, j'y manquerai pas. Quatre morts en trois jours. Mais putain, réagissez! Je suis assez d'accord avec lui. C'est pas une coïncidence. Le docteur Morse se suicidait. Ah, j'y crois pas une seule seconde. Bon. Ok, il se passe quelque chose, mais que voulez-vous qu'on y fasse? Si on nous pose des questions, on va devenir suspect. Les flics ne sont pas des idiots. Ils vont finir par faire un recoupement. Ils vont finir par tout découvrir. On est foutus, je vous dis. J'ai pris ma décision. Je ne reste pas une seconde de plus ici. Demain, je paie mes bagages, je prends un taxi et je disparais. Et tu auras l'air de quoi? Tu auras l'air de quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. As-tu quelque chose à te reprocher? Non, mais plutôt passer pour un coupable vivant que d'attendre que mon tour vienne. Demain, je fais mes bagages. Et je m'en vais. Dans un sens, il n'a pas tort. Allons-nous-en. On se fait une virée durant quelques jours, le temps que ça se tasse. Après, on avisera. Viens avec nous. Vous faites les malins, alors. Et vous comptez aller où? Et dès demain, vous aurez tous les flics au cul. Hein? Et pour rien de plus. Allez prouver. Après ça, réfléchissez deux secondes et vous verrez, hein, que c'est moi qui ai raison. Tu ne me feras pas changer d'avis, Marc. J'ai pris ma décision. Demain, je fais mon baluchon et je me tire. Et je l'accompagne. Eh bien, faites ce que vous voulez, mais ne comptez pas sur moi. Hein. Oh, à ta guise, c'est peut-être toi qui feras moins le malin. Explique-lui que c'est une bonne chose. Ça va faire rentrer pas mal d'argent dans la trésorerie. Mais il est têtu. Je ne lui ferai pas changer d'avis. Je le comprends aussi. Je sais que la décision n'est pas simple. Écoute, Fanny. Écoute-moi bien. Ça, c'est votre exploitation. Donc, vous avez ici, ici, ici. Et ça, c'est la carte du tracé du futur TGV. Donc, il circulera dans ces zones ici. Tu vois? C'est un projet de plusieurs centaines de millions de francs. Tu entends? Plusieurs centaines de millions de francs. Alors, c'est sûr que ça rogne un peu sur vos terres. Ça, c'est vrai. Mais, avec tout l'argent que vous allez vous faire avec ça, vous pourrez
Vous en achetez des terres après, par la suite. Bah, je dis pas que vous avez tort, ni que ce projet n'est pas bien pour la région. Mais mon Jean, il est attaché à ses terres. Elles sont dans sa famille depuis 3 générations. Non, c'est peine perdue. Le train, faudra qu'il passe ailleurs. Bon, écoute, réfléchis-y. Essaye quand même de lui parler. Bon, il va falloir qu'on te laisse. Passe le bonjour à Jean de notre part. Allez, rentrez bien. Au revoir, Fanny. Salut, Fanny. Salut, à bientôt. Passe une belle journée. Salut. Quelle bande de têtes de l'or! Ah! Ah, ils vendront pas, hein! Je suis sûr, ils vendront pas! Non, ils vendra pas. Et si ils vend pas, on vend pas. Le second parcours prévu nous éloigne d'au moins 100 bornes! Enfin, c'est ce que nous a dit Charles. Et si ça change de secteur, ça change de notaire. Ah non, hein! Il faut les persuader, hein. Ça ne marchera pas comme ça! Hein. Il faut les persuader! Faut qu'ils changent d'idée. Ah, Sylvie. Bah, je vous cherchais, justement. Bon, alors, j'ai fait ma petite enquête. Il est célibataire, ce monsieur. C'est super. Bon, soyez discrète, Sylvie. Oui, oui, oui. Et en dehors des heures de travail. Oui, bah, vous connaissez, Madame Dupuis. Hein. Merci beaucoup, allez. Merci. Oh. Monsieur Lannoy, c'est une tragédie ce qui est arrivé au docteur Morse. En effet, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. On a tous été entendus par la gendarmerie de Brive. Et il compte interroger les résidents de la pension? Ça, je ne saurais vous le dire, monsieur Lannoy. Bon, on verra. Bonne journée, Alexandre. Bonne journée à vous aussi. Mathias ? Oui ? J'ai oublié quelque chose ? Oui, oui, ça va. J'ai trouvé ça, tiens, en débarrassant la chambre de M. Dubé. C'était tombé derrière sa table de nuit. Il y avait ton nom dessus. Bon, il comptait certainement te l'envoyer parce qu'il y a l'adresse aussi. C'est l'adresse de ma mère. Je me demande pourquoi il m'a écrit, je ne le connaissais même pas. Bah écoute, hein, tu liras ce qu'il y a dedans, hein, comme ça tu comprendras. Hein. Bon, allez, j'y vais parce que c'est le repas des petits vieux. Allez, salut. Hein. Bonne soirée, allez. Ah, au fait. Oui. Tu pourrais rendre son badge à Alexandre. J'ai porté toute la semaine sur la blouse, j'ai pas fait attention. Bah écoute, pas de soucis. Hein. Allez, à demain. À demain. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je t'ai dit que je voulais pas en parler. Allez, vas-y, raconte-moi votre encas. Ça a été si mauvais que ça. Je dirais pas ça, plutôt gentil. Hola, friends on direct, c'est ça? Ah ouais, non, mais je crois que j'ai pas été assez claire. En plus, ça fait 3 messages qu'il m'envoie. Allumeuse. C'est le comptage de l'infirmière.
Qu'est-ce que t'allais mettre dans la tête de ma femme? Calme-toi, agent. Fais pas le con. On lui a rien dit de particulier. On est juste passé boire un café avec René. Te fous pas de ma gueule! Elle me serine pour que je vous écoute, pour que je vende les terres! Marc a raison. On a juste été boire un café. On a expliqué que ce serait mieux, c'est tout. Mieux pour qui? Mieux pour moi ou mieux pour vous? Vous me dégoûtez! Mais ce chantier, ça va arranger tout le monde. C'est une affaire en or, on te l'a déjà dit. Oh, calmez-vous les gars. Hein. Allez tous vous faire voir, je vendrai pas. Putain! Tu m'as foutu les jetons. Mais tu fais quoi là? Charles, mais c'est le flingue à Thierry. Je suis désolé, Marc, mais je ne peux pas prendre le risque que tu parles. Tout aurait été plus simple si chacun avait écouté. Mais non, vous n'en avez fait qu'à votre tête. Maintenant, tu vas gentiment me suivre. On va aller faire un tour. Prends ta veste, la nuit est fraîche. Mais de quoi tu parles ? C'est le fils Goudreau qui est derrière tout ça. C'est toi qui nous l'as dit. Disons qu'il ferait un coupable idéal. Une sombre histoire de vengeance. J'ai même son adresse. Tu savais qu'il était revenu dans la région. Une aubaine, crois-moi. Allez, mets ta veste et avance. On saute. Voyons, héros, je ne suis pas sûr que ça te serait profitable. Obligé de faire ça. On peut trouver une solution. Je suis allé trop loin. Je ne peux pas revenir en arrière. Allez, avance par là. Charles, t'es devenu fou. C'est toi qui as tué les autres. C'est ça, c'est ça. Un simple concours de circonstances. Des choses qui se sont mal enchaînées. C'est René qui a tout déclenché. N'inverse pas les rôles. Mais Jérômine et le docteur Morse... Jérômine en avait trop entendu. On aurait fini par faire le rapprochement. Et le docteur Morse aurait tôt fait comprendre que ce n'étaient pas les bons médicaments qu'avait avalé David. C'est dommage. Je n'avais rien contre eux, tout comme je n'ai rien contre toi. Charles, arrête cette folie! C'était il y a 30 ans, bordel! 30 ans! Oui, 30 ans. Jean. On avait un problème. Il est résolu. Oh putain, il est mort. Oh putain, on va aller en tôle. Du calme, Thierry. On a qu'à dire que c'était un accident, un simple accident. Un mauvais coup de fusil. Un accident ? Faudra que tu te dénonces, Charles. Mais on témoignera en ta faveur. On sera avec toi. On chassait, là, ensemble, et... As-tu entendu du bruit? Jean s'est effondré. Et... Mais c'est un accident involontaire. Oui. C'est ce que je vais faire. Les jours suivants seront très difficiles. Il faut que tu gardes le cap. On sera à tes côtés. Ne craque pas, je t'en prie, ne craque pas. Allez, pour un accident de chasse, tu risques 2 ans.
homicide involontaire. Je vais trouver un bon avocat. Vous êtes des malades, les mecs. Vous avez tué un gars, vous venez de tuer notre pote. Écoute, Thierry, moi aussi je suis bouleversé, mais... Regarde ce qu'ils disent, c'est pas si bête. On pourra faire ce qu'on a dit, vendre les terres à prix d'or et Charles s'en assurera, René touchera une belle commission et puis pour moi, ce sera la réélection assurée à la mairie et les subventions de l'État, les ouvriers du chantier. Faudra qu'on se mette au point sur la version, hein. Merci les gars. Faisons-nous une promesse. La promesse de ne plus jamais parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Une promesse liée par le sang. On a fait des choix qui nous ont marqués à vie. À cette époque, on t'a aidé. T'as oublié? Non, je n'ai rien oublié. Je n'ai pas oublié ce que je dois à chacun d'entre vous, mais je sais aussi que lorsqu'on viendra vous poser des questions, tout s'arrêtera. C'est fatal, vous craquerez. David a été le plus évident. Il en était trop bouleversé. Il n'a pas été facile de remplacer ses médicaments. Mais j'ai saisi une occasion. Une petite pilule bleue à la place de la pilule habituelle pour le cœur. Quand on a des problèmes cardiaques, le Viagra, c'est pas une bonne idée. Après, tout s'est malheureusement enchaîné. Je pensais que vous vous calmeriez et que vous écouteriez, mais vous êtes parti sur un délire complotiste. Il fallait que je fasse quelque chose. Encore une fois, tu me vois désolé, Marc. Ne faites pas ça, monsieur Lapointe. Fait assez de dégâts comme ça. Mais vous ne devriez pas être là. Allez-vous-en, Alexandre! Il est armé! Je ne m'appelle pas Alexandre. Je suis Mathias. Mathias Goudreau. Et je sais ce que vous avez fait. Je sais ce que vous avez tous fait. Mais Mathias? Mais comment? Pourquoi vous avez fait ça? Monsieur Dubé m'explique dans cette lettre ce qui s'est passé. Mais pas pourquoi vous avez fait ça. Mon père n'était pas un ange. Il m'a suffisamment répété. C'est une excuse. Pourquoi? Pour l'argent? C'est ça que tu veux m'entendre dire? Ton père était un idiot. Il ne comprenait pas où était son intérêt. S'il ne vendait pas ses terres, la SFF aurait changé le tracé. Et c'était déjà dans les projets retenus. Et là, on y perdait tous. René n'aurait jamais pu négocier tous les actes de vente. Et Thierry, Marc et David se sont largement engraissés en rachetant les terres de ton père pour les vendre à prix d'or à la SFF. Et vous? Vous avez gagné quoi? J'ai eu une belle évolution de carrière grâce à ça et au pot de vin que j'ai touché en retour. Je le confesse, ce n'est pas glorieux. Mais bon, j'assume. Maintenant, tu ne devrais pas te trouver là. Ça change un peu mes plans. Mais chaque problème a sa solution. Que je te retrouverai. Allô? Je m'appelle Mathias Goudreau. Je suis infirmier à la maison de retraite Le Val-de-Suise. Je suis en présence d'un homme de 65 ans blessé par balle à l'abdomen.
Je comprime déjà la plaie, mais il a perdu beaucoup de sang. On est dans les bois au fond du parc. Ok, faites vite. Mathias, je suis désolé. Et ton père ne méritait pas ce qui lui est arrivé. On était jeunes, pris dans un engrenage qui nous a dépassés. On mérite ce qui nous arrive. Ici, je suis là. T'es où? Par là. J'arrive. J'ai besoin d'aide. Mais qu'est-ce qui se passe? Le SAMU a appelé la réception. Mais c'est quoi cette histoire? On n'a pas le temps. Il a besoin d'aide. C'est lui qui lui a tiré dessus. Et je suis sûr que c'est lui qui a l'origine des morts suspectes de ces derniers jours. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la forêt à cette heure-ci? On parlera plus tard. Appelle la police. Et va aider les secours à me trouver. On va chier. Nemo, monsieur Aloua. Nemo. Je voudrais être sûr d'avoir bien compris la situation. Répétez-nous tout ça dans les détails. Je suis rentré chez moi vers 20h. Et j'ai commencé à faire manger. Vers 22h, je me suis rappelé que j'avais encore cette lettre à ouvrir. La lettre de René Dubé, qui m'était adressée et qui m'a été remise par Sylvie peu de temps avant que je quitte le boulot. Dans cette lettre, il explique que mon père n'est pas mort d'un accident, mais qu'il a été délibérément tué pour une sombre histoire d'argent, il y a plus de 30 ans. J'étais chamboulé. Dans cette lettre, il explique et il nous décrit l'auteur, également les complices, lui compris. Vers minuit, j'ai donc décidé d'aller demander des comptes à messieurs Lapointe, Lanois et Marceau. Les seuls encore en vie. Je ne savais pas comment ils allaient réagir, quel allait être leur comportement. Je suis arrivé ici vers 1h. Et en arrivant sur le parking, j'ai vu deux silhouettes qui se dirigeaient vers le bois qui borde la résidence. J'ai reconnu M. Lapointe et M. Lannoy. J'ai donc décidé de les suivre. En arrivant, je les ai entendus se disputer. Je suis intervenu pour demander des détails sur cette lettre, et puis tout s'est emballé. Il y a eu une bagarre. Monsieur Lanois a pris une balle. Je me suis enfui. Je me suis enfoncé encore plus loin, profitant de la nuit. Je pensais l'avoir semé et c'est là qu'il m'a fait face avec son arme. J'ai fermé les yeux, pensant que mon heure était arrivée. Et M. Lanois est arrivé à désarmer et assommer M. Lapointe avec une branche, avant de s'écrouler. Et ensuite, j'ai appelé les secours. Est-ce que je pourrais voir cette fameuse lettre? Bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous faire une copie, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Nous allons garder l'original pour les besoins de l'enquête. Je comprends. Vous savez si M. Lannoy va s'en sortir? Il était pris en charge par les pompiers. Ils l'ont transféré au CHU de Dijon. Pour le moment, je n'ai pas d'informations complémentaires.
pour Monsieur Lapointe. Les pompiers l'ont envoyé à Langres pour un scan et quelques points de suture. Les collègues sont avec lui. Ensuite, nous allons déclencher sa garde à vue, en plus de la tentative de meurtre sur Monsieur Lannoy et sur lui-même. Nous allons mener une enquête sur les meurtres suspects de ces derniers jours. Si ce que vous dites est vrai, les charges risquent de s'alourdir pour Monsieur Lapointe. Merci, Madame Dupuis. Si nous avons des questions complémentaires, nous vous recontactons. Monsieur Boudreau, il faudra passer à la gendarmerie pour signer les dépositions. Je ne vous crée pas. Cette lettre m'est arrivée plus tôt. De nombreuses personnes seraient encore en vie. Vous n'y êtes pour rien, Mathias. Cette histoire nous dépasse. Personne ne pouvait prévoir ce qui s'est passé. Prenez votre journée, Mathias, vous en avez bien besoin. Merci, madame. Bonne journée. Bonne journée. Mathias, si tu lis cette lettre, c'est que j'ai enfin eu le courage de faire ce que j'aurais dû faire il y a déjà plusieurs années. Je suis désolé, sincèrement, je suis désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu m'accordes ton pardon. Il est sans doute trop tard pour ça. Il faut que tu connaisses la vérité. La vérité sur la mort de ton père ce jour-là dans les bois. Depuis des années, tu vis dans le mensonge. Ton père n'est pas mort d'un accident de chasse, il a été tué. Nous l'avons tué. Je n'ai peut-être pas appuyé sur la détente, mais c'est tout comme. J'ai couvert son crime. Ce jour-là, j'ai été égoïste. Je n'ai cherché que le profit que je pourrais tirer de la situation. Nous étions cinq ce jour-là. Charles Lapointe, Marc Lannoy, David Cloridan, Thierry Marceau et moi-même. Une dispute a éclaté et Charles a tiré sur ton père en pleine poitrine. Il est mort sur le coup. Nous n'avons rien pu faire. Je suis désolé. Je sais que mon heure est bientôt arrivée, je le sens. Peut-être que je te verrai un jour débarquer. Ce jour-là, je serai prêt. Avec cette lettre, tu trouveras également un numéro de compte en banque. Il est provisionné et à ton nom. À toi d'en faire ce que tu veux. Ça ne remplacera jamais la peine que tu as endurée plus jeune, mais ça te permettra peut-être de tourner la page plus facilement. René Dubé. Thank you.
Constance, vous avez vu Sylvie ? Ah, madame. Oh, elle n'est jamais là quand on a besoin d'elle, celle-là. Dites-lui de venir me voir, s'il vous plaît.